première action placée des Espagnols dans cette seconde période et l'ouverture du score signé Boyan. Voilà, ils ont attaqué en nombre cette fois-ci. Ils étaient 5 à porter le danger devant le but espagnol. Il y a eu un raté, mais tout de suite, la récupération a été prise par le petit prodige de Barcelone, Boyan Krkić. Et cette fois-ci, il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas cherché à dribbler, il a frappé au but. Et bien le résultat, il est là. Il avait déjà réussi un but incroyable de loin lors de la demi-finale contre la Belgique. Et bien le voilà, à nouveau libérateur de l'Espagne. Regardez, Boyan Krkić qui adresse ce petit ballon piqué à Fran Mérida. Fran Mérida contré par la bonne sortie du gardien, le ballon revient. Et cette fois-ci, Boyan Krkić, il frappe instantanément du gauche. C'est son deuxième but dans le tournoi. Et c'est un but extrêmement important parce qu'il ouvre la voie d'un premier titre dans ce championnat des moins de 17 ans aux Espagnols qui courent après depuis la transformation de cette compétition en 2002 en moins du championnat d'Europe des moins de 16 ans, championnat d'Europe des moins de 17 ans. Les Espagnols ont disputé deux fois la finale, ils ne l'ont jamais gagné. Et bien cette